Brest, Sturm Graz, à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match des champions ce jeudi? Grand jour pour le stade brestois avec la découverte de la Ligue des champions à l'occasion de la réception de Sturm Graz. On vous explique comment suivre les débuts du club breton en direct ce jeudi soir. Les supporters brestois s'apprêtent à vivre un rêve éveillé. À la surprise générale l'an passé, l'équipe d'Éric Roy s'est hissée à la troisième place, obtenant la première qualification de son histoire en Ligue des champions. Et le tirage a offert aux Bretons des affiches de gala avec des chocs contre le Real et le Barça notamment. Mais avant cela, le SB29 reçoit Sturm Graz. Un adversaire plus abordable sur le papier, et qui représente peut-être l'une des meilleures chances de prendre des points. Seule ombre au tableau, Brest n'est pas autorisé à jouer chez lui, au stade Francis Leblay. C'est donc à Guingamp que Romain Del Castillo et ses coéquipiers tenteront au mieux de briller sur la scène européenne. De son côté, Sturm Graz, champion d'Autriche devant le Red Bull Salzbourg l'an passé, reste sur deux succès de rang et sait que pour espérer voir la phase suivante, il est impératif de prendre des points en Bretagne. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder en direct le match Brest-Sturm Graz? Le match entre Brest et Sturm Graz est diffusé en direct sur Canal Plus Sport 360. Le coup d'envoi du match est prévu à 21h au stade du Roudourou de Guingamp, le jeudi 19 septembre. Précisons que le stade brestois ne joue pas dans son stade Francis Leblay car il n'est pas conforme aux exigences de l'UEFA pour les compétitions européennes. Un abonnement payant à Canal Plus est nécessaire pour regarder le match et la compétition en intégralité et en direct. Les compositions probables, Brest, Bizot, Lala, Chardonneux, Le Cardinal, Amavi, Camara, Magnetti, Fèvre, Del Castillo, Ajorc, Sima. Sturm Graz, Sherpen, Johnston, Ewu, Lavallée, Gazijbovic, Orva, Stankovic, Kiteshvili, Bieret, Bovigne. Diffusion Brest, Sturm Graz, ce qu'il faut savoir.